Pas de la brûlure. Permet de dreng. Stuff ton dreng, tu t'en sers sur le golem. Je t'avais stuffé pour le golem, lui, non? Il a pas de pré. Il a pas de pré. Il te faut une météore. Elle a la météore, elle fait quoi, elle? Elle est pas book déjà. Elle est pas book, juste elle cleanse quoi. Elle cleanse, elle soigne. Elle brûle à 1. Est-ce que tu lui as mis d'apprécie? Ouais, donc la météore pourrait se mettre. Ninja, il est où ninja? Il y a ninja. Ninja, c'est pas mal. J'essaie déjà une run comme ça, puis on voit après. On va regarder ce qui va pas. Ça va pas, ça déjà. Mourir comme ça va pas déjà. Deux, hein. Quatre. Et merde. Et merde. Bon, le problème c'est que t'es trop fragile, mais ça peut même passer comme ça. Hein. Ça va, c'est assez solide, c'est ça a tenu. Putain, il n'y a plus la brûlure encore. Ah, pourquoi j'ai pas pu raise avec Syl? Je suis con ou... La cinquième frappe. Ah putain! Il a changé de forme l'enfoiré. Et il a contre-attaqué, je sais pas si ça compte comme une frappe. Mais là il meurt hein. Si là ça compte comme la cinquième. C'est laquelle la cinquième déjà qu'il faut. Qui tape fort. C'est celle-là? Je sais même plus. C'est la 2. Mais là il meurt hein. Il est pas mort. Ouais du coup ça a compté comme la sixième. Putain la tour sup la con. Allez. Je sais plus à combien j'en suis là, mais je crois qu'il va mourir. Hein.
Ah putain. En fait, t'es lent, non? T'es lent de ouf. On va le rebuter. Honnêtement, je sais pas combien j'en suis. Un petit météore. Ça devait être bon. Ah, tu payes 10 balles pour ça, frérot. Ah, t'es vraiment un peintre. Hein. Bon, on va voir d'autres choses. Ah putain. Easy, easy, chez easy. C'était bien hard, hein. Ah, sacré yes. Putain, comment c'était facile. Bon, tu veux voir quoi? Parce que là, on est à 5 minutes de coaching, là. 5-10 minutes, là. F-card, oh là. Là, par contre, c'est pas la même histoire, là. Là, on n'aura pas le temps. T'as les mobs, hein? T'as clairement les mobs. À la place du Razelback, faut mettre Yakarl. Au métier à Karl. Pas book. Bah pas de book, pas de FK. Pas de book, pas de FK. En vrai de vrai. Il faut que tu bookes tes Akarl, hein. Et que tu joues exactement la même team que moi. Et toi, tu peux même mettre deux Mikage si tu si t'as envie, hein. Moi, à la place de une, j'ai. J'ai comment? Sais pas comment il s'appelle. Farrakhan. Mais ça revient plus ou moins. Après, avec Farrakhan, t'as le break def en plus. Mais ouais, sans le book, je pourrais rien te faire. Ah, la vidéo, je l'ai pas sortie de ma nouvelle team. C'est vrai. Faut que j'envoie un screen de toute ma team. Tu pourras la faire. Je pense que niveau stuff, tu seras pas emmerdé. Juste, tu seras plus lent. Mais s'il est pas book, là, c'est mort. On peut pas cycler, on peut. Alors, à moins que t'aies juste envie. Non, même pas en plus. On n'est pas là du tout. Ah, t'as même pas vraiment tout. Donc la 10 hard, tu t'en fous pour l'instant. Ah, bah. Reviens avec ton Yakarl Book. Parce que là, je peux pas cycler. C'est une galère de ouf. Hein. À moins que t'aies un deuxième Ugnut. Mais t'as pas de deuxième Ugnut. Et puis il faut absolument le break speed et ouais, il te faut Yakarl. Hein. En ton F-card, je peux rien faire. Hein. Surtout la 2. La 2 à 3. 3v3. Qu'est-ce que tu fous en gold 2-1? Déjà, pourquoi t'es en troll def là? On est vendredi, hein. Tu joues quoi de base? Parce que j'aime bien avoir les bases de ce que tu joues. Je sais même pas ce que tu joues. T'as du lourd quand même, hein.
T'as quand même du lourdingue, hein. Je mets quoi en nuqueur? T'as quoi de bien stuff? Perso attaque, on peut mettre Wukong. T'as Nars toi? Pour ta team lente ou pas? T'as pas Nars? Pas l'impression. Parce que je vois Ankora. Mais t'as... après t'as Taras hein. Dans ta team lente on mettra Taras. Une deuxième team speed. Toi t'as qu'un Armanz hein. Ouais. Et t'as Siphi. Donc on peut faire ça, ça. Kage. Et je sais pas moi, Ronda. Par exemple. Où t'as Ronda? On est là. Et la dernière, tu fais un truc lent. Ankora. Taras. UDK, pourquoi pas. Et après, t'as le choix. T'as un Warlord qui te sert à rien là. Tu peux la jouer comme ça. Bien relou comme team ça. Hein. Les trois teams là, elles sont bien. Faut juste restuff les trucs, je pense. Je mets Pythion, UDK, Lili, Taras. C'est mieux ça. Tu peux mettre Lili dessus, hein. Est-ce que là tu mets peut-être pas UDK? Et tu mets Lili à la place. Et comme ça te fait des buffs pour ta race, pourquoi pas, hein. Mais Warlord, moi j'aime bien, hein. Je sais plus c'est lequel qui a le plus gros lead entre lui tuer Ankora. Tu peux la jouer comme ça. Mais plutôt Ankora que Pythion, hein, c'est quand même un peu meilleur. La même speed. Oh, c'est très bien, hein. Là, c'est très bien. Son stuff tes trucs. Surtout toujours cyclé. Sachant que lui il commence avec ça. Autant changer de forme quand même. Hein. Je pense pas que tu vas allier attaque à la première forme. C'est qui plus rapide entre Mikage et Siphi machin. Kimar est plus lent, donc Kimar il ouvre comme As. Comme ça il recharge tes mobs. Mikage pareil. Et là, je sais pas s'il y a quelque chose à faire. C'est pas mal. Est-ce que t'as du restuff à faire? Ça a pas l'air. Hein. Je pense qu'avec ton stuff c'est bien. Hein. Ta Siphi elle est max speed, ouais. Ah frérot, qu'est-ce que tu fais en gold 1 hein, ma parole. Hein. Parce que toi t'as du stuff hein. T'as du stuff. Hein. T'es minimum gold 3 normalement. Même sans trop jouer, t'es minimum gold 3, t'as du stuff hein.
crois que j'ai rien besoin de te changer en plus, hein. Alors si ça... Ah, t'as quand même un tour pot de pierre, tu l'as mis un tour pot de pierre, un plat, c'est original, mais c'est pas mauvais, hein. Ah, quand même un tour pot de pierre. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que juste tu fais pas les combats, en fait. Le problème, c'est pas... Tes trucs, ils sont déjà bien stuff, hein. T'es en létal, machin. Tout est bien respecté. En plus, tu fais ça avec Eladès. Putain, il est énorme, ton... T'as un sacré taras, hein, mon salaud, hein. Ah, frérot, ouais, non, t'es G4, hein. T'es même pas G3, t'es G4, hein, sans trop forcer, hein. Non, faut juste que tu fasses tes combats. T'es juste feignant, hein. Comme ton Amius, je l'ai first try sans même rechanger tes stuff. Ça s'est fait en 2-2, en 4 minutes c'était torché. Non, tes trucs ils sont stuff. Tu veux voir quoi? Y'a rien à voir sur ton compte. C'est déjà. Faut juste que tu bookes ton Yakarl pour ton FK et qu'après tu repasses ma team. Je t'envoie tout. Je t'envoie les stuff. Faut que je pense à tourner la vidéo, mais j'ai pas forcément le temps en ce moment de tourner la vidéo de ma nouvelle team. Non mais Amuse sur la first try sur son compte. C'est non team Hydre. Alors qu'est-ce que tu joues en ce moment? C'est des trucs qui datent tout ça, non? C'est le bordel. Qu'est-ce que je peux supprimer? C'est le bordel de ouf. C'est le bordel. Après, Hydre, t'es pas gâté, hein. Honnêtement, t'es pas gâté. Hein. Autant PVP t'es gâté, autant Hydre, j'ai pas l'impression que tu sois gâté. Hein. C'est un peu plus compliqué. Hein. Y'a pas grand-chose. Hein. T'as de quoi faire largement, t'as cauchemar, brutal, nani, nanana. Hein. T'as pas de Trunda, toi. Trunda, tu l'as pas. Hein. Yo Thelma, comment ça va? Je pense que ça va être pareil, hein. Je pense que t'as rien à changer. Alors tu m'as dit la cauchemar, tu mets Sifik, Gnut, Nergigante, c'est où? Tu l'as pas préparé ta team? Pour à chaque fois avoir juste à cliquer. Il n'y a aucune team avec Nergigante. Bah, faudrait peut-être commencer par ça. Vas-y, je te dégage tout. Tu me dis ce que tu joues actuellement. Ça, je sais ce qui est stuff ou pas. Tac. Alors, la première, ta cauchemar. En lead, tu mets Nergigante, c'est ça? C'est un lead speed. Si je dis pas de conneries, je sais même plus. Elle est où? Non, c'est pas un lead speed. Bon, il y aura ça, il y aura Sifi, tu m'as dit, il y aura Knut. Tac. Qu'est-ce qu'on rajoute à ça? Je sais plus ce qu'elle fait, Nergigante. Réduction de vitesse, machin. Donc t'as de la réduction de speed.
T'as du boost à TB, machin et tout. T'as de la provoque, t'as de la mêlée. Ça, c'est plutôt pas mal. Il manque un bloc buff. Hugo, hein. Je pense pas que t'aies d'autres blocs buff. À moins que t'aies toi Narak, mais je crois pas, toi. T'as pas de toi Narak. Il y aura Hugo. On mettra en dernier. Je remettrai l'ordre comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Il manque un peu de DPS. Et... pas grand-chose d'autre, hein. Il manque juste du DPS là. T'as quasiment tout, hein. T'as le bloc buff. T'as le res, t'as le soin. T'as le bloc speed. Voilà, réduc speed, boost à TB. T'as la provoque. L'ancienne, hein, on met des cosses. On met un déjà. Et puis Mikage, non? Bon, t'as pas de lead speed, c'est un peu chiant, mais... de toute façon, t'as rien d'intéressant. Si, il te manque un truc. Il te manque du voile. Sinon, tu mets Chamael. Après, Chamael, tu vas avoir des runs qui vont durer 1000 ans, hein. Sinon, on te met Lily plutôt que Siphi. Tu mets Emic. Pourquoi pas, hein. Tu refresh. Tu provoques. Seul problème, ça va être Kiffir. Pour moi. C'est pas obligatoire, hein, mais... non. Y'a pas. C'est pas obligatoire, on est. Peut-être que Lily serait un peu mieux que Siphi. Comme ça, on la met en lead au passage. Un truc comme ça, je pense que c'est bien. Hein. Après, à toi de voir. Après lui quand il met son truc, ça provoque hein. Ah bah non non. Le Rairi ça. Elle va quand même cleanse la tête. Mais pour Gnut boost def. Il faut. Tape sur PV max, Yas. S'en bat les couilles du boost de def. Tape sur PV max. On a rien à foutre, c'est c'est le dégât crit qui compte. D'ailleurs, il n'y a pas assez de dégâts crit. Il a pas assez de dégâts crit. Ça sert à rien de lui mettre 40 000 de def, c'est les dégâts crit qui font les dégâts. Siphi enlève les fears. Ouais, mais c'est un peu plus aléatoire. Là aussi, tu peux cleanse un peu, hein. Mais Lilithu, au moins, t'as le voile et ta team est plus solide. Sachant qu'il a des persos un petit peu fragiles pour. Encore, ça va. Au moins, t'as un reste de zone. Je trouve ça plus safe, hein, de jouer Lily. Moi ça j'aime bien. Hein. Après Emic t'es pas obligé, tu peux changer. Hein. Y'a que Emic. Je sais pas pourquoi tu pourrais remplacer un autre DPS. Ah mais il faut une brûlure intéressante quoi. Bon, déjà Hugo on va le mettre en dernier. T'aurais quoi en brûlure intéressante? Parce qu'après t'as Rathalos. Rathalos, tu peux jouer une brûlure sur ta brutale par exemple. Mimic, on avait dit Hugo en dernier. Artak Rathalos sans brutale. Il a que Artak en brûleur. Ouais, ça a l'air. Dreng, c'est pas ouf pour l'hydre. Ah, t'as pas de scission ou un truc comme ça, mais ouais, on peut clairement le faire hein, par contre. On peut. Donc il y aurait Artak, Rathalos. Ah, t'as Vénus. Ouais, Vénus, c'est mieux que. Ah, Vénus, Artak, Rathalos, on joue les trois. Au pire.
Comme ça, t'as break défense affaiblissement, break attaque, brûlure, pétage de brûlure. T'as un Cupidon. C'est pas mal Cupidon aussi avec, hein, avec Vénus. Pas mauvais. Ouais, du coup, on avait dit. Non, t'as pas Cupid. Vénus. Tac. Artac. Artac. Donc là, ce qui va nous manquer, ça va être du bloc buff. Du bloc buff, un soutien, soutien. Bloc buff. T'as encore. Sinon, je te mets lui en lead, plutôt. Bah, c'est pas mal. Et il manquerait un peu de provoque. Et là, on aurait le même souci, mais je pense que là, tu vas taper plus fort. Molly. Ah, dans ce cas-là, est-ce qu'on met Uko? Si on met Molly. T'as quand même 3 brûleurs. La question, c'est, tu vois, si Rathalos, il se fait bouffer, est-ce que t'arrives à ressortir. Est-ce que t'arrives à le ressortir? Si on met Molly en plus. Non, faut mettre Uko en provoque. Comme dit Nox. Ou alors, on met pas Uko, on met Molly. Et on rajoute un bloc buff, mais non, ça reviendrait au même. Yo Fabrice, comment vas-tu? La forme? Ah, je sais pas. Si quelqu'un a une idée. Ouais, un cos, hein. C'est RNG, mais au moins t'as, ça te fait un DPS en plus et ça te fait de la provoque. Je sais pas si c'est le bon cos. Parce que t'as le 2 là, ça veut dire que t'as un 1, non? Il est où le 1? Tu l'as mis direct en 2 et en 3. Ouais, c'est RNG, hein, mais c'est toujours ça de prix en vrai. Et derrière, tu rajoutes quand même Uko en provoque, par exemple. Molly provoque Erez. Ouais, mais par contre, après, on a plus de bleu. Si on met Molly, là. Je suis obligé de dégager. Sinon, je dégage un brûleur. Hein. Mais du coup, t'as plus de break def. Sinon, il faudrait un deuxième Hugo. On vire Vénus. C'est un deuxième Hugo. Est-ce que t'as un deuxième Hugo? Ouais, mais il nous faut un bloc buff, donc faut mettre Hugo. Je veux bien, hein. Dans ces cas-là, faut qu'on mette Hugo. Je l'ai passé, mais où? Là, il y a le premier. Et où le second? Ah, 5 étoiles. Ah, ouais, faut qu'il le up. Et il est où? Le premier est plus 2. Ah oui. Le deuxième est là. Ok. Donc tac. Je dégage Vénus. On a le break def. Ici. On laisse ça. On met Molly. Comme ça, bah, je change le lead, hein, mais donc là, t'as 2 DPS. Donc, s'il y en a un qui se fait bouffer, l'autre peut sortir l'autre. T'as la brûlure pour lui, t'as le break def, t'as le bloc buff, t'as la provoque, t'as le res. Alors, en lead, c'est tout. On va mettre attaque ou résil, hein. En Pécosse pour mettre un autre DPS. Pourquoi pas, mais Molly, elle va pas pouvoir provoque à tous les tours. Après, parfois, elle met provoque 2 tours, ça c'est bien.
Mais j'avoue que sinon on peut mettre Chamael ici, au pire. Taras. Ah, il a les buffs de Sifu, quoi, c'est tout. Précoce, c'est bien hein, vu sa box, hein. Tu veux mettre qui d'autre? Macha. Sais pas, je suis pas fan. Ouais, voilà, moi je partirais plus sur Macha Taras, au pire sur la difficile, ouais. Ouais, on laisse Koss, hein. Je pense aussi, hein. Le Koss 2. Je vais les rename. Enem. Tal. T'as mis le même cos là. Non, à cos. Ah oui. De toute façon, faut que je change. En lead, je mets quoi? Je mets Sifi, je pense. Oui, bah t'as compris. Tu rectifieras. Lead Sifi. Je pense. Un autre cos. Donc c'est pas le 2, c'est le 3. Et Hugo en dernier. Tac. Molly en last? En avant last du coup? Ou alors je mets Hugo en avant last? Alors là ça va être Rathalos. Et compte bien tes frappes à chaque fois avec Rathalos. La cinquième, tu balances la 2. Sur un break def et brûlure. Donc Rathalos. Il est là. Je mets Hugo en avant-dernier et Molly en dernière du coup. Elle est où Molly? Elle est là. Météor 6 en plus, c'est bien. Pas besoin de précis. Même si de toute façon, tu vas lui mettre de la précis. La dernière team, un truc bourrin. On avait dit Taras. Taras qui déjà? Taras Macha. Changera le lead après. Va te falloir des buffs pour le Taras. Va falloir que tu sois quand même assez solide. Je vois bien Elva. Vénus, pourquoi pas. On s'en est pas servi. Ça lui fait break def et affaiblissement. On peut mettre. On peut mettre qui d'autre? Ou Vénus. Là. Wukong pour le bloc buff. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque là dans la team? Là, limite, on peut s'en passer de la provoque. Hein. Si tu joues bien bourrin, on peut plus ou moins s'en passer. Un boost ATB. Est-ce que tu as un boost ATB qui rajoute des buffs s'il faut?
Ah, le lapin! Il a le lapin, tu l'as le lapin? Ah bah oui, il l'a. Ouais, le lapin, c'est pas con. Bien bourrin ta team là. Mais le lapin en lead, je crois que. Je sais plus si le lead du lapin est meilleur que celui de Elva. 19. Je crois que c'est 20 le lapin. Donc le lapin est mieux. Le lapinou, il est 2 étoiles. Tac-tac-tac-tac-tac. Et en dernier, c'était Taras. Ah, là, c'est pas mal. T'as pas mal de buffs. Un truc qui me gêne, moi, c'est ma chalet là. Hein. S'en fout de l'ascension là avec le lapin. Et il est fragile, hein. Pas de provoque. C'est pour de la. C'est pour de la difficile, hein, Chaz. Il va les OS, les teams. On a mis sur Brutal NM, on a mis de la provoque, mais là, on s'en fout. Là, c'est pour scorer comme un bourrin, là. Qu'est-ce qui serait intéressant? Plutôt que Macha. Je me demande si. Ouais, non. Après, ça dépend de ce que t'as en 9 Protect aussi, hein. Non, non, il a pas de... Non, il a pas Cupi, malheureusement. Qu'est-ce que t'as en 9 Protect? Parce que imaginons que tu es Elfe Noir, tu mets Lidia déjà à la place de Vénus, je pense. Si t'as Lidia en 9 Protect, il y a tout ça à prendre en compte, hein. T'as personne. T'es sûr de ça? Comme ça, t'as personne. Vous en avez gagné plein des CVC. T'as personne. Tu peux la mettre en 9 Protect, ta putain de. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux la mettre en Protect. Tu peux la mettre en 9 Protect, Lydia. Mais personne qui me dit. Donc, déjà, tu mets Lydia en 9 Protect. T'as quoi d'autre? Elle ou Lydia? Elle est 0 étoile, non? Je sais même plus. J'ai dit que j'ai mis. Oui, mais tu. En fait, je veux savoir où tu as des bijoux pour les faire passer en 9 Protect. Par exemple, Elva, est-ce que tu peux la passer en 9 Protect? Ah, déjà, je vois qu'on en a deux. Je pense que t'as une bague, hein. Allez hop, 9 Protect, pareil. Ah frérot, tu vas faire des. Tu vas faire plus que moi. Tu vas faire plus que moi. Tu as. Là, tu peux faire des milliards sans Trunda. Hein. Moi, je fais déjà 2 milliards. Et j'ai pas autant de 9 Protect, je pense. Hein. Ma chalet, il va dégager. On va mettre un autre 9 Protect, je pense. Hein. Si c'est possible. C'est qu'on peut mettre en 9 Protect qui buff pas mal et qui pourrait booster la TB par exemple. J'ai vu que t'avais Kimi, pourquoi pas Kimi hein? Pourquoi pas Kimi, pourquoi pas Badel en 9 Protect? Badel. Ouais, j'ai pas mis équipé. Bon là t'as pas. Il me semble que t'as pas. Attends, ils les mettent en dernier les Protect? Bah tu les as. Je suis encore dans Horde. Parce que c'est un peu mal foutu maintenant. Ouais, si. Badel 9 Protect. En base de ton machat. Et je pense que là t'es bien là. Là t'es très bien. Tu me fous tout ça en 9 Protect? Ah, t'es très très bien là. Hein. 9 Protect, 9 Protect, 9 Protect. Full dégâts. T'as du reste pour le lapin parce que le lapin risque d'être fragile. Le Wukong, c'est pas grave, il serait à tout seul. Et tu peux même faire la normale. Si tu vois que la difficile c'est trop compliqué, tu fais de la normale. Hein. Mais tu vas faire plusieurs milliards. Hein. Et bah, il le met sur le lapin le malais.
7 mêlée sur le lapin, il a 2 AOL, le lapin. Comme le mien. Le mien, il est en 7 mêlée, mon lapin. Et ça, tu les. E2, tu les mets en sauvage et faut qu'ils cognent, quoi. C'est pas mal, là. Je pense. Tout à l'heure, il était pas content. Hop. Tu fais combien sur la difficile, toi, Nox? Ah, mais toi, t'as Trunda. Non, mais il fait largement plus, hein. Il fait largement plus avec ça, hein. Je connais à peu près le stuff de Yas. À voir s'il arrive à faire sur la difficile, mais s'il arrive à faire sur la difficile, je pense qu'il fait. Il peut monter à 2 milliards sur la difficile. Avec ça. 1 milliard 5, 2 milliards. Un peu comme moi, je pense, parce qu'il a moins de stuff que moi. Forcément, il joue moins vite parce qu'il joue pas machin. Il fait au minimum, il fera 1 milliard sur la difficile, sinon il fait 1 milliard 5 sur la normale, peut-être. Au minimum, hein. Son grand hall, il a pas grand-chose. En plus, il a de quoi optimiser, hein. Il a de quoi optimiser. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets tout en 9 protect. Lydia, tu lui mets la précision, on est sur de la difficile ou normale, donc 250, t'es bon. Et tu vises même moins parce que t'as le bonus hydre qui est de... T'as pas fini ton grand hall toi. Bonus hydre qui est de 32, donc tu retires 32, tu vises du 220 sur tes mobs à peu près. Donc t'as qui dans la team? 220 et full speed en gros. De précis, full speed. Full speed. Malédiction. 9 protect hein, les 3. Hein. Les 3 là en 9 protect. Malédiction en dégâts. Et dégâts. Eux, je pense qu'ils sont déjà stuff de toute façon. Et essaie de maximiser sa vitesse, lui. T'essaies de le rendre très très le plus rapide possible. En gros. En vrai, si tu veux, je peux t'en stuff un ou deux là. Vu qu'il nous reste 18 minutes. Sauf si tu veux voir autre chose. Parce qu'après, ce fait, tu sais faire. Hein. Sauf si tu veux voir autre chose. Si t'as quelque chose de plus important, sinon je te stuff les trois là en. Tu veux que je te stuff Razel? Ah, vas-y, go. Razel Varg. Pourquoi il y a les cloches qui sonnent aujourd'hui? Ah, c'est peut-être un mariage. Un mariage. Bah non, c'est le samedi les mariages. Sais pas c'est quoi aujourd'hui. Parce qu'elle sonne depuis longtemps en plus. Ouais, merde, et puis l'Hadès. Alors, attendez. Hop. Voilà. Tac. Tour de France vers chez moi. C'est pour ça qu'il y a les cloches de l'église. Ça me paraît très bizarre. C'est pas la défaite du Portugal.
Mais les mariages, c'est le samedi, non? Ou c'est le vendredi? Mage mode. Ouais, c'est peut-être un mariage. En plus, j'ai cru entendre des klaxons tout à l'heure. C'est quoi ce délire? Comment ça, t'as rien? Ah. On se démerde pour là, hein. On change, t'inquiète. Est-ce que tout ça, tu peux le déstuff? Est-ce que Draco, tu t'en fous ou pas? Je pense, hein. À moins que tu me dises que c'est ton BDC, mais dans ce cas-là, on peut lui retrouver un torse, hein. Le problème, c'est que c'est un torse HP, hein. T'as vraiment rien. Profite du golem, là, hein. Il y a x2 malédiction. Draco, faut regarder c'est lequel des deux. Si je le keblo. Ah, si je le keblo. Ah oui, en fait, ouais, c'est ça que tu me disais. En fait, c'était deux différents. Ça, c'est ton BDC. Donc, c'est lui qu'il faut keblo et pas l'autre, en fait. Vu les speeds, ouais, ça, c'est ton BDC, ça. Et on peut prendre sur l'autre. Donc, du coup, faut que je débloque l'autre. Donc je bloque celui-là. Donc je bloque celui-là. Option, Draco. Je débloque lui. Tac. Et on y retourne. Razelvarg. Maze. Normalement ça a tout remis comme je voulais. Exactement. Hop. Il est un peu fébrile quand même, hein, en dégâts, je trouve. Les bottes, on prend pas sur Armand. Impression que tu joues pas de mêlée, mais bon, ça fait un peu chier. Mais profite, hein, du. Profite du x2 là. Est-ce que GR, tu prends? Essaye de choper un torse. En fait, t'as pas de torse, c'est un torse HP hein, qu'on récupère. Regardez si t'as pas un torse attaque qui a pas été up. Non, y en a pas. Y en a pas. On keblo GR, ok. Parce que là, t'as des stats tellement dégueulasses que vaut mieux le laisser tel qu'il est, hein, ça se trouve. Et que t'ailles nous chercher un torse et que tu... Parce que là, de toute façon, tu vas faire le pillage, tu fais la fusion. Donc tu vas farmer pas mal de golems, il faut que tu trouves quelques pièces malédiction. Ouais, des gants def, non, on peut pas partir là-dessus. C'est trop dégueulasse. C'est beaucoup trop dégueulasse. Farme bien ton malédiction, là. De toute façon, toi, le golem 10 hard, il tourne, hein. C'est moi qui avais fait ta team, je crois.
Et garde même des torses bleues, hein. Essaye de garder un max de. Un max de stuff. Et ton Razelvax, sinon il est bien tel qu'il est pour l'instant. Bon, il est pas en sauvage du coup. On peut optimiser juste les dégâts et ne pas le mettre en mêlée en attendant. Mais je pense que d'ici là, tu l'auras peut-être. Tu l'auras peut-être amélioré quoi. Et Lydia, ouais, Lydia 9 Protect, vas-y, je te fais ça. Lydia, Optimize. Edge mode. Alors ce que je veux c'est qu'elle soit quand même plus rapide que ton lapin. Pour lapin tu vas le mettre aux alentours de 280. Donc c'est bien qu'elle est 280 en 9 protect. À peu près. J'ai peur que ça trouve pas. Je te mets au moins ça. Tac. 80, c'est mort. J'ai peut-être abusé sur tes stuffs. Peut-être que ton lapin, tu peux le mettre en mêlée, mais à 2,50. Hein. Oh! Ah, je sais. Les pièces, elles sont pas up. Forcément, ça trouve pas de 9 protect. C'est juste pour ça. Faut que je te les monte 12. Après, je crois on peut faire autrement, mais je sais plus comment on fait. Bah, y a rien de up, en fait. Donc là, t'as de la vitesse. Donc ça va prendre là-dessus. Donc la bannière, c'est bon. Ça sera celle-ci. Le KL, tu t'en fous. Là, il y a de la pré, donc c'est mieux. Ça, forcément, ça va pas proc dessus. Quel team Shogun? Bah, t'as une bannière équivalente. T'as bien une bannière équivalente où ta speed ne bouge pas, non? Faut les tester quoi. Petit peu glyph. Faut juste que tu retrouves ta speed. Hein. C'est trop. Là il manque 4. Tu glyphes à 4. T'as pas de glyph speed. Ah super. Super. Mais démerde-toi. Je sais pas, t'as le droit à combien de jeux de vitesse de différence. Ta série, t'as que 2 de différence. Par exemple. Est-ce que Cerise on peut prendre? Et je teste une run et si c'est bon, go. Non. Non! C'est bon. Shogun. Donc si la vitesse est encore bonne. C'est moi qui te l'avais faite la team aussi là, avec Kael. De toute façon, tout ce qu'il y a sur ton compte, c'est moi qui ai fait. Oh, ça a l'air bon sa vitesse.
Ah, ton Badel. Va falloir le remplacer dans la team là. Peut-être. Parce que tu vas le jouer en Nidor. Ah, t'en as deux. Ouais, ok, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Laisse celui avec les blessings sur le Shogun. Hein. C'est pas trop grave les blessings sur l'Hydre en moins. Du coup, on retourne là. Tac, on actualise. Je remets 2,80 hein, parce que je pense qu'on les a les 2,80. Clear, start. Qu'est-ce que tu veux bloquer? J'aurais pu même faire autrement que 2,80. Merde. On peut tout prendre du coup? Ici? Bah go. Tu montes tes pièces 16, machin et tout le bordel, et puis c'est good. Hein. Mon petit as. Badel, tu fais plus ou moins la même chose. Tu lui mets à peu près le même stuff. Il faudra juste que le lapin soit légèrement plus lent qu'eux, si possible. Tac. Bien vu. Elle où Lydia? Elle est là. Mais attends, mais je suis en damage mode là. Après, c'est pas grave, moi je l'ai mis en dommage la mienne. Hein. Ah non, c'est pas le damage mode. Comment ça se fait qu'il y a autant de taux crit partout là? Si, là, elle passe en. Ah, je te l'ai mise en damage mode. Ah, en vrai, c'est bien. Hein. En vrai, c'est bien, ça se prend. Moi, la mienne est en dégâts aussi. Sur l'île, tu peux te permettre. Hein. Surtout sur la difficile, quoi. Sur la difficile ou normale. Tu testeras les deux, voir là où t'es le plus à l'aise en fonction de tes stuff. La tête, c'est Géo. Le bouclier. C'est un bouclier sur personne, c'est un mythique. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. T'as chopé des belles pièces quand même. Hein. Rio, les gants. Tac. Torse attaque. Okay, celui-là. Et botte de. Et Gaius. Tac. Voilà, ça te va, Yas? Tu sais ce qu'il te reste à faire?